Et on se retrouve. J'étais en train de jouer avant de commencer l'épisode. Alors la dernière fois on était allé à la forge, on n'avait pas de marteau apparemment, on n'avait pas laissé de marteau non plus. Donc cette fois on a notre marteau. Je l'ai réparé à 100%. J'avais dit que je ferais une coupure, genre peut-être que je laisserais passer une journée et tout ça. En fait non, pas du tout, j'ai juste vu que elle était en pleine forme, je me suis réveillé la nuit. Donc j'ai réparé le marteau, j'ai mangé, j'ai bu, enfin voilà. Au final, il y a quelques heures qui se sont passées dans le jeu et pas des journées. Parce que j'ai regardé les vêtements, pas vraiment besoin d'être réparés honnêtement. Pas encore, on va dire, pas encore. Il y avait juste ça, il faut faire attention au cache-oreille, de pas le casser parce que c'est super rare. Sinon, donc on va amener le marteau lourd qui est à 100%. On va prendre aussi les outils simples, on va les laisser là-bas parce que ça peut être utile en fait pour réparer le marteau lourd. J'ai du cèdre sur moi. Je pense prendre un morceau de sapin. On va partir maintenant directement. Je pense prendre un morceau de sapin et l'amener si j'en ai encore. Ouais, on va faire ça. On a à boire, à manger. J'ai déposé les massettes. J'ai un peu de trucs à faire. Ouais, on y va, on y va. J'ai des plumes sur moi aussi, mais c'est pas grave. Donc ouais, nous y allons, nous partons dans cette purée, dans cette brume. Welcome to Silent Hill. Donc on va faire ça. Donc on va retourner à la forge, cette fois on va pouvoir l'utiliser. Il y a plein de morceaux de bois, parce qu'il y a eu une grosse tempête, le dernier épisode sur la fin. Donc maintenant il y a pas mal de bois partout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'étais en train de penser, il y a notre réserve de tissu qui baisse. J'ai remarqué, notre réserve de tissu. Ça risque d'être un problème parce que je sais pas trop... où on a laissé en fait des tissus à récupérer. Je pense qu'on n'en a pas vraiment en fait de réserve. Donc ça m'embête. Je pense qu'on va devoir refaire le tour un peu des cabanes. Si jamais on en trouve. Et genre vraiment tout déchirer. Genre par exemple des chaises et tout ça. Des fois il y en a avec du tissu. Donc ça donne du tissu. Des coussins. Les coussins c'est embêtant parce qu'à chaque fois il faut utiliser le couteau. Mais des coussins aussi il faudrait prendre ça. Parce que j'ai l'impression en fait qu'on n'a pas pris beaucoup de tissu. Genre 1000 tonnes peut-être? On en a laissé beaucoup à 1000 tonnes? Faudrait que je regarde peut-être des anciens épisodes. Mais ouais, j'ai remarqué que on avait plus trop de tissu en fait. Après, le bon côté des choses, c'est que il y a très peu de vêtements en fait qui prennent des tissus maintenant, vu qu'on a des vêtements surtout d'animaux. Donc, côté tissu, ça va, on n'en utilise pas énormément, énormément. Mais voilà, ça reste quand même un petit problème, donc faudra faire attention à ça. On va faire ça, on va faire attention à ça. Mais voilà. Donc là, on va aller faire nos têtes de flèche. Ça va bien se passer. Bon, vu qu'on a un brouillard extrêmement épais, on va rester sur les rails. On va faire attention. Je pense que dans le jeu, parce que la plupart du temps dans les jeux de survie comme ça, ils font en sorte que tout se renouvelle. Alors qu'au final, bah, dans The Long Dark, bah, c'est faux en fait. Il n'y a pas tout qui se renouvelle. Genre les flèches, les fûts de flèches, tout ça, on peut en trouver beaucoup. Mais au bout d'un moment, ils vont se casser et les bois ne reviennent pas. Donc au bout d'un moment, on n'aura plus du tout de fûts de flèches en fait. Il y a pas mal de choses comme ça, j'ai remarqué. C'est vrai que... Ah tiens, ma 7 encore. Et genre le tissu, c'est pareil. Il y a plein comme ça de matériaux en fait qui reviennent pas.
Et il n'y a pas d'équivalent en fait. Parce que je veux bien, c'est logique que le genre que le tissu disparaisse quoi, c'est logique évidemment, parce que bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, basta. Mais il n'y a pas d'équivalent. Donc du coup, c'est vrai que c'est bah, c'est un peu embêtant. Je trouve, il y en a encore là-bas, mais... et peut-être qu'il devrait, je pense... rajouter quelque chose dans le jeu. Parce qu'ils ont rajouté par exemple le fait de pouvoir créer des balles, ce qui est très bien en fait pour les armes à feu, parce que oui, c'est un peu embêtant de pour trouver... Eh merde. Pour trouver les munitions et tout ça, c'est un peu la merde. Donc c'est bien. Mais les armes à feu et les balles et tout ça, c'est vraiment pas pour l'intrus quoi. Ah, il fait chier, je voulais m'abriter. Bon, c'est pas grave. J'ai peur qu'il y ait l'ours en fait. Vous croyez qu'on peut monter là? Non, on peut pas, il y a la branche qui gêne. Donc, je pense qu'il devrait peut-être un peu travailler sur ce côté-là. Alors après, est-ce qu'on peut survivre, genre, sans tissu et tout ça? Genre, imaginons qu'on n'en récupère pas du tout. Juste maintenant, genre, qu'on n'en récupère plus. Est-ce que ça va passer? Bah oui, ça passera, mais bon, au bout d'un moment, genre, le cache-oreille va casser... nos pulls et tout ça, ils serviront plus à rien. Donc on sera obligé de... Enfin, on aura froid, quoi. Ça va être un peu embêtant. Je crois que c'était un cadavre. Donc, ouais, il pourrait... Je pense qu'il pourrait travailler sur... sur des ressources comme ça qui sont non renouvelables et avoir une sorte d'équivalent. Ouais, je pense qu'il pourrait faire ça. Genre utiliser de la peau et en faire des je sais pas, des plus petits morceaux de peau. Et les l'utiliser en tant que tissu. Ou alors encore une fois, plus de vêtements en peau. Beaucoup plus de vêtements en peau. Et des vêtements peut-être un peu plus légers. Ou alors de pouvoir les mettre en dessous, par exemple. Parce que les vêtements en peau, on peut que les mettre par-dessus. La couche d'en dessous, ça passe pas. Vous voyez, des choses comme ça, en fait. Je pense qu'il pourrait... Ce serait bien. Encore une fois, c'est encore... C'est toujours la même optique, c'est de jouer en intrus, hein, c'est de trouver les choses en intrus. Ça pourrait être utile, alors que si vous n'êtes pas en intrus, oui, vous en foutez, parce qu'il y aura des vêtements de tous les côtés. Mais en intrus, oui, en intrus, c'est le problème. Go, 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 go! Oh, la vache. Ah, on va peut-être pouvoir le semer. D'accord. J'ai rien dit. Par contre, ça fait un petit moment là qu'on a froid. Je vois strictement rien. Non, c'est pas ça que je vais faire. Non, ça va. Il a pas détecté le fait que je bande l'arc. Oh la vache, sinon on aurait été mal s'il nous aurait foncé dessus. Il était trop loin. Faut peut-être bander l'arc et... Oh, il s'attaque à quelque chose. Faut peut-être bander l'arc et... dans cette direction en fait. Non, par contre ça m'embête là, je suis en train de me perdre. J'ai l'impression que j'arrive pas à trouver le...
le bord de la map. On devrait y être. C'est vrai que ça devient un problème en fait de combattre quand il fait froid. Enfin quand on a froid. Avec le fait de trembler comme ça. Ça devient un gros problème. Je reconnais pas des masses. Non, c'est peut-être là. Des massettes partout. Bon, il nous a lâché. C'est quoi ça? Un feu. Oh non, on est retombé. Tourner en rond. Il fait combien? Une minute. Est-ce qu'on est loin du wagon rouge? J'ai envie d'aller m'abriter dans le wagon rouge, moi, en fait. Le temps que ça passe. Cela, c'est un peu absurde. Parce que je sais... Voilà. Je sais plus ou moins où c'est. Mais pas complètement, en fait. Enfin, honnêtement, voilà. Le fait de rien voir, non. Je vais pas y arriver. Y arriver. Donc, on va faire ce qu'on va faire, on va aller dans le wagon rouge, on va directement faire du feu, comme ça on sera tranquille et ils viendront pas nous faire chier. Cela, j'avoue que ça devient débile. Aïe. Tout ça pour aller à une forge. Après, pour reparler, parce qu'il y a encore des gens qui m'ont demandé ce que j'allais refaire. Calme-toi. Refaire une saison et tout ça. Comme j'ai dit, normalement non. Il n'y a pas vraiment de raison. Après, des personnes... Non mais t'es sérieux? Voilà, c'est pour moi. Des personnes m'ont parlé de faire... Il est bizarre lui, il me coursait... Enfin, il a tracé. De faire une survie personnalisée. Parce qu'on en avait déjà fait, je crois que c'était la saison 3 ou 4. On a fait de la personnalisée avec des armes à feu. En gros, c'était intrus, c'était tout pareil, intrus. Même difficulté et tout ça. Sauf que on avait rajouté les armes à feu pour pouvoir tester les armes à feu, tout simplement.
Et maintenant, il n'y a plus de brouillard, t'es sérieux? Quel temps perdu. C'est intéressant. Enfin, pour moi, surtout. J'avoue que c'était assez intéressant. Avec les armes à feu, mais rien de... Rien de super... Enfin, nouveau. Enfin, ouais, c'était pas assez intéressant, je pense. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas la forge pour faire les munitions. Donc, maintenant, il y a la forge pour faire les munitions. Donc, ça, c'est autre chose. Ouais, je sais pas. Il y a l'ours. Je l'ai entendu. Bon, c'est ce qui est bien, c'est qu'il fait pas froid. Je crois qu'il est là. Là, il est là. On va pas le combattre maintenant. Si jamais on le combat, c'est au retour. On doit d'abord... D'abord faire nos têtes de flèche, parce qu'on ne va jamais les finir ces trucs. Et je crois qu'on a pris énormément de massettes quand même. On peut en avoir une cinquantaine en plus à la maison. Donc oui, on pourrait faire ça. Genre une nouvelle survie mais personnalisée avec des armes à feu. Ça pourrait être intéressant. Mais ouais, le gros problème à chaque fois, c'est vraiment de commencer, en fait, les survies. C'est long et tout. Donc ouais. Je pense pas que ça vaille le coup. Parce qu'on l'a vu, de toute façon, on a vu la forge dans cette saison. On a vu comment ça fonctionnait et tout. On a même créé de la poudre. Donc on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait. Donc voilà. Mais après il y a aussi le nouveau bonus là qu'on a débloqué avec l'événement. Le Dark Walker. Encore une fois, je l'avais déjà dit, hein, que ça m'intéresse bien de le faire. De le prendre. Je pense que je mettrai le Dark Walker avec le bonus de chaleur. Je crois que c'est fusion à froid. Voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, ça oui. Je crois que ce sera mes deux bonus en fait. Si jamais on refait une. Une survie. Ouais, parce qu'en fait, moi, je vais par là, je vais trop sur la droite à chaque fois. Et après, on est remonté. En fait, c'est... Non. C'est pas grave. On était pas loin. Thank you.
sert. On va se mettre là. Ah, très bien. Bah au final j'ai envie de dire que on n'a même pas besoin de d'aller chasser parce qu'on doit avoir au moins je sais pas 2 jours de nourriture avec les massettes là qu'on a non ouais. Bah, pas tellement en fait. Un ours ? Un ours. C'est le même ou c'est un deuxième? Je pense que c'est un deuxième. Je pense pas que ce soit le même. Mais sinon, ouais. Ah tiens, il fait chaud en plus. Cool. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'on fait? On se balade du coup ou pas? Le problème c'est qu'on n'a plus à manger, rien. Ouais, on va faire le. Vu qu'il fait pas froid, on va faire le tour du périmètre. On va essayer de trouver des loups. Ah, il y a des cerfs derrière, mais c'est parfait. En plus, la peau, j'en ai besoin. On va chasser le cerf. Je vais déposer le marteau et tout ça, tout le barda. Et on va se faire le cerf. On va faire gaffe aux... Très bien. On va faire gaffe à un truc, c'est de pas détruire, de pas utiliser le bois de sapin pour du feu en fait. Parce que ce sera pour réparer le marteau, donc on le mettra de côté. Oh merde. T'es mal placé, Bambi. Peut-être pas trop s'avancer. Ok, très bien. Merde, ils m'ont vu. On va découper, peut-être qu'il va redescendre. D'abord, on va prendre la viande. Faire un peu attention à notre santé et tout ça. On va lui couper la peau maintenant. Il commence à faire froid. S'il y en a 3, ça veut dire qu'il n'y a pas de loup hein, aux alentours. Donc on est honnêtement tranquille. Mais on est très tranquille. Ok. Comme ça, on peut tenir plusieurs jours sans problème. Voilà, on a tout récupéré. On a les massettes, on va les utiliser pour tenir la nuit. Et après, quand on commencera à faire la forge, bah, on fera cuire les choses.
tout simplement. Alors. Très bien. Et ça, on le garde, on va le mettre là. La viande, on va la mettre là. Ah, très bien. Elle peut encore tenir un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque l'autre cerf? Un des deux autres cerfs qui restent? Qui se baladent? Ah, juste l'eau qui manque un peu par contre. Enfin, quoi que non, on a des thés, tout ça. Attends. Il fait pas extrêmement froid, donc... pourquoi pas... vous voyez, faire la réserve, quoi, le maximum. Comme ça, une fois qu'on sera parti pour faire cuire et tout ça, pour forger et tout, on sera tranquille. Pendant un moment, on n'a pas besoin de bouger. Et puis, les pots de serre, c'est toujours très très utile. Donc, je veux bien... moi, je dis pas non pour en récupérer. Bien. Alors attendez, on a l'air d'être bon, tout va bien. On va prendre ça. Le vent, j'ai l'impression que le vent se lève. C'est bon, on va rentrer. Ouais, très bien, on a encore une peau et 2 kilos de viande en plus. Très très bien. Ça c'est bien, quand vous avez la forge ici avec un groupe de cerfs, honnêtement c'est vraiment vraiment tranquille. Ouais, très bien. C'est vraiment vraiment peinard, honnêtement. Ça c'est cool. Beaucoup mieux que... beaucoup mieux que les loups. On va dormir une heure. Je pense qu'on va peut-être devoir faire un feu. J'ai un peu peur que ça soit... j'ai un peu peur que ça soit trop risqué en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien. Moins de 3. Et là ça va plus 5. Le mieux c'est de dormir très longtemps d'un coup, hein, évidemment. Mais on va voir. À moins 6, vous voyez, on a bien fait de ne pas faire toute une nuit. Sinon on aurait eu froid. Bon, là elle va un peu mieux. On peut commencer, je crois. Je crois qu'on peut commencer notre feu. Sapin. Ah, très bien. Ça, on va l'enlever. On peut commencer le feu avec ça. Ouais. Voilà. On va commencer. Alors je crois qu'il faut bien atteindre les 100 degrés. Hein. Je dis pas de bêtises. 150, 150. Donc, charbon, 2 charbons. Peut-être pas assez de charbon. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup, hein, il demande beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, nous on va prendre ça on va le détruire. Je sais pas exactement combien donne un charbon, mais complètement oublié. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de forge en plus. On est à 54.
Ouais. De toute façon, on y est, hein. Bah oui, c'est par terre. On est à 72. Ah, on peut pas aller plus haut que 12 heures. Ah, on a un petit problème. Il nous faut plus de feu. Je pense qu'on va arrêter de mettre des gros bois. On va mettre des petits bois. Ça fait à chaque fois un degré de plus. J'avoue que ma main, j'avais pas pensé à ça. En plus, ce qui est intéressant aussi dans un sens, c'est qu'on a le feu qui est au niveau 5. Donc ça donne plus de temps en fait de feu à chaque fois le bois. Et du coup on peut moins en mettre, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça marche dans le contre nous. Ça marche un tout petit peu contre nous là. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je pensais qu'avec deux on allait... Ouais, vu qu'il y a une limite de temps, on est un peu merdé. On peut pas dire autre chose. Ah... Intéressant. Intéressant. On va voir s'il y a du charbon qui traîne. Ah, peut-être là-bas. J'avoue que... Ah. J'avais pas pensé à ça, tiens. Après, il faudrait qu'on trouve des grottes. Ouais, je crois que c'était un charbon, non? Il faudrait qu'on trouve... Est-ce qu'il y a une grotte pas loin, ici? Est-ce qu'il y a une grotte pas loin? Elle est où, la grotte? Elle doit être là, la grotte. Pour aller à la crique lugubre. On peut passer par là ou pas? Pour aller à la crique lugubre. Je pense qu'il y a du charbon dans la crique lugubre. Bon, par contre, il fait nuit, donc c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors, on a les caisses, on peut toujours les casser. Avec un peu de chance, on peut en trouver dedans. Je sais même pas si c'est possible, honnêtement. On a des cailloux. J'avais vraiment pas pensé à ça, tiens. Bah, la prochaine fois, il faudrait que je me note que... il faut quand même plus de charbon que ça. Hein. Parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est un peu... C'est drôle. Dans un sens. Parce que maintenant, nos bouts de bois, nos petits bouts de bois et nos... Par contre, on va brûler la viande qu'on a laissée, j'ai l'impression. Je devrais faire demi-tour, maintenant. Du coup... on a besoin de moins mettre de choses pour avoir un feu qui dure très longtemps. Mais là, ça marche contre nous parce que du coup, on peut pas augmenter trop la chaleur vu qu'on peut pas trop mettre de combustible. C'est marrant, c'est marrant.
C'est intéressant. La grotte doit pas être loin. Il y a deux loups là-bas. C'est ça. Did I say I hate being cold? Because I really do. Non. C'est pas celle-là. Pas de charbon. Vous voyez que du coup, bah, le charbon est quand même important. Hein. Quand même très très important. On devrait retourner, attendre que le soleil se lève. On devrait, ouais. Bon, bah, on fait des allers-retours. On va dire que beaucoup de petites erreurs, j'avoue. Ça arrive. J'avoue que là, ça fait beaucoup de petites erreurs. On est à la recherche de charbon maintenant. Et ouais, j'en étais sûr. Pas passer par là. On a tous nos vêtements mouillés maintenant. Ouais. Ne pas passer par là. C'est pas grave, on a le super feu là-bas. On risque rien. Dans un sens, je me suis dit, ça va casser, mais bon. À l'arrière de la tête, je me dis, eh, ça va, c'est bon, on a le feu là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. C'est un tronc d'arbre que j'ai vu ou un animal? Non, c'est un tronc d'arbre. Alors après, ça fait un peu du bois gâché. Parce que le feu est pas vraiment utilisé du coup. Bah je suis d'accord. Est-ce qu'on peut passer par là? J'avoue être d'accord. J'avoue. Ouais, je vois que la grotte de... pour aller à la crique lugubre, où il pourrait avoir du charbon. Sinon, bah, on attend et puis on met du bois petit à petit. Et au bout d'un moment, on arrivera à 150 degrés. Hein. C'est juste que ça... ouais, ça prend du temps et puis ça... c'est un peu gâché du bois, hein, j'avoue. Hein, je suis d'accord. Mais bon, le bois, ça revient de toute façon. Vous voyez, c'est pas extrêmement grave. Je regarde si là, il n'y avait pas de... la première fois qu'on était arrivé. Je sais qu'on avait vadrouillé ici pour récupérer du bois, parce qu'on avait, on avait pas assez. Mais je pense pas qu'il y avait autre chose. Genre une petite grotte avec du charbon ou quoi que ce soit. Alors... ça c'était à prévoir. Très bien, 80 kilos... 80 degrés pardon. Bien, par contre elle a froid.
On va dormir. On va dormir, comme ça on se réchauffera et puis... Ah, et puis on se séchera. On se séchera aussi. Très bien. Ah d'accord, ouais, on peut plus monter. On peut plus monter avec le bois, ça y est. Donc il faut trouver du charbon à tout prix. Ça marche. Ça marche, ça marche. On va mettre... Hop. Je sais pas s'il fait... Ça, il fait pas extrêmement froid. Ah là, là j'avoue que j'avais pas pensé du tout à ça en fait, à ce petit problème là. Ah, c'est assez intéressant de voir ça. C'est même impressionnant en fait de voir que... De voir qu'on a un problème de chaleur en fait. C'est pour ça à chaque fois j'ai toujours dit depuis le début. Hein, si vous faites la forge une fois, faites-la qu'elle dure longtemps. Comme ça, vous pouvez crafter plus ou moins tout et n'importe quoi. Tout ce qu'il vous faut. Ah, et c'est une raison. Mais je pensais pas vraiment qu'on allait avoir autant de problèmes, en fait. On aurait dû peut-être mettre un peu le bois d'abord et après le charbon, en fait. Une fois qu'on arrivait un peu à la limite avec le bois dans la chaleur qu'on pouvait mettre, qu'on pouvait rajouter avec le bois... mettre le charbon par la suite. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc là, on va vers la crique lugubre. On va à la grotte de la crique lugubre. On va passer par en haut cette fois. Il y a beaucoup de brouillard ici, j'ai remarqué. À Muskegmorn. J'aurais bien voulu dessiner, ça c'est un peu chiant en fait ce brouillard par contre. On prendra ça après au retour. J'aurais bien voulu la noter sur la map en fait cette grotte. Après j'ai vu qu'il y avait des os, des loups en bas. Là aussi il y a des champignons. Pas une marque d'élan, ça. On doit y être. Ouais, on y est. On y est. Elle est juste après, la grotte. Elle est juste après. Ça va, il fait pas froid, rien. Faut juste qu'on boive et qu'on mange un peu de massette, peut-être. Juste pour être tranquille. Ah, et peut-être qu'il faudra prier pour qu'il y ait du charbon. Possible aussi. Une ou deux prières. Genre là, par exemple, vous voyez? Le charbon qu'il y a là, qu'on peut pas récupérer. Il y avait pas écrit prendre charbon? Je sais pas. Non, attendez, d'abord on va faire ça. Peut-être même prendre ça. Okay. Il y a du bois.
bois. Je pense qu'il y a du charbon ici. Par contre, si on n'a pas, bah ouais, on peut plus rien faire. On aurait fait tout ça pour rien, mais ça m'étonnerait quand même. Okay, donc là, il y a une torche, donc ça c'est le chemin. On va regarder dans les... dans les cul-de-sac. Ok. Putain. Ça fait 1. Si je savais au moins combien de degrés ça pouvait mettre, ça serait un peu mieux. Est-ce qu'on... Ah, du coup on va avoir un problème avec la lumière. Donc ça va, on voit. On peut passer par là. On va peut-être allumer une torche, non? Aïe 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 aïe. Très bien. Je suis passé par le... par là, là. Je sais pas exactement. Je pense que toutes les galeries se rejoignent, donc je pense pas qu'on soit... dans, genre dans une nouvelle zone vraiment. Mais c'est vrai que je suis jamais passé par là. Non. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça fait que 2. Très bien, très bien, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la grotte et on va retourner dans la grotte. Vous voyez, la dernière fois, on avait récupéré du charbon, genre à la... parce qu'ils mettent du charbon, en fait, pendant qu'il y a la zone de transition. On va voir s'ils ont fait pareil, là, sur ce côté-là. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ça aussi, et on fait quoi si jamais on arrive vraiment à court de charbon? Hein? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. C'est un peu embêtant, je trouve. Pour ça, à chaque fois, je dis de récupérer les flèches. Mais bon, c'est vrai que quand on y pense... ouais, si vous avez plus de... Vous avez plus de charbon, ben... Vous pouvez plus... plus faire de forge. Et c'est pour ça, ne pas le gaspiller, en fait. C'est vraiment s'en servir pour augmenter la chaleur. À chaque fois, ça, je l'ai toujours dit aussi. Très important. Utiliser le charbon pour augmenter la chaleur. Puis après... pour le temps, en fait. Pour faire durer le temps du feu. Mais il y a un mur invisible! Non, monte, 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 monte. Non, monte! Ah putain. C'est une animation en fait, ça. Vous dirigez pas là. Personne. Voilà. Je disais quoi? Oui, utiliser le charbon vraiment pour augmenter la chaleur, puis après, pour le temps, utiliser le bois. Ça, faut vraiment qu'il le fixe, faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Il y a un mur invisible, en fait, avec la transition de s'accrocher, en fait. C'est très, 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 très galère. Très,
très 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 galère. C'est vraiment pas fun cet endroit. Bon, on va faire ça. Je sais pas si on aura l'eau de prête ou alors elle a brûlé. Alors attendez, parce que là j'ai cru voir peut-être qu'on peut le faire. Parce que c'est... Je dis pas non. Tout ce qu'il faut pas faire. Ah non, on peut pas. Non, non, j'ai cru que ça avait changé tout à l'heure. Non, mais ça a pas changé le message. On sort. C'est pas grave. C'est embêtant, c'est embêtant. Il nous faudra un bâton. Faut sortir un bâton. Et essayer d'attraper. Est-ce que c'est l'autre on peut ou pas? Non, il a l'air encore plus loin. Oui, parce qu'il y a le point en fait qui s'affiche. Donc ça veut dire qu'on est vraiment proche. Yes! Ça a marché. Ça remonte plus. Un charbon de plus. Très bien. Il y a un truc aussi que je voudrais faire vraiment, c'est récupérer des cailloux, mais il en faut 50. Et créer un dôme là. Comme ça on peut écrire. C'est vraiment cool. Un petit dôme là, on met tout le charbon. Je sais pas trop quoi. Toujours ce brouillard. Bah cet épisode au final c'était... Parce que on va pas continuer parce que là enfin l'épisode est déjà assez long donc on va pas faire la forge maintenant. On le fera la prochaine fois. Mais cet épisode c'était genre la course au charbon quoi. Donc c'est vrai que ça m'a un peu rappelé que le charbon est quand même très important et il faut le récupérer quoi. Il faut vraiment le récupérer. Oh, I can think about his food. Très bien. Donc, peut-être que la prochaine fois, on ira... Je sais pas quoi faire, vraiment, après. Une fois qu'on aura créé là toutes nos flèches... Et par contre, on va en profiter, on va faire vraiment tout le métal qu'on a sur nous. On va vraiment faire tout le métal. Là, on aura, je sais pas, une... On avait quoi, 20 morceaux de métal? Ah oui, merde, faut passer par là. Peut-être qu'il y en avait 5 par terre, encore. Donc, ouais, là, on le fera vraiment au max, quoi. On fera vraiment tout ce qu'on a. Donc, on va ressortir avec, peut-être, avec un peu de chance, une cinquantaine de têtes de flèches. Donc, on est tranquille, honnêtement. On est vraiment tranquille, indéfiniment. Et après, pour réparer les outils, vous rappelez que pour, il faut des pierres à aiguiser et tout ça. Mais on a accès à la foreuse. Non, pas la foreuse, la... la fraiseuse, pardon. Et avec ça, on pourra réparer nos outils à la limite. Donc, ouais. Après, j'avais dit de refaire un set d'outils, genre un couteau et une hache, une nouvelle. On va voir, on va voir. Je sais plus exactement ce qu'il faut pour... Je crois que c'est le tissu qui nous manque, je suis pas trop sûr. Je sais pas si c'est genre un tissu, deux tissus. On va voir ça. Je fais attention à ma barre là. Oh non, ça va être trop risqué. Aussi, par exemple, il pourrait rajouter des outils comme des pioches, des choses comme ça. Et on pourrait taper certaines grottes à l'intérieur.
pour récupérer du charbon. Ça aussi. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il pourrait faire. Il y a vraiment plein de petites choses. Je pense qu'on a plus l'eau, ouais. Ok. Alors, on a ça, on est bon. On va faire cuire par contre, parce qu'il faut qu'on mange. Très bien. Alors attendez, ouais, un truc que je voulais voir, c'est... Est-ce qu'on pourrait faire un set de... De couteaux et de haches? Enfin, genre une hache et un couteau. Ferraille 5, ça va. Un seul tissu, donc on peut. Et le couteau, c'est un seul tissu aussi. Ouais, on va peut-être faire ça. On va peut-être faire un couteau et une hachette en plus. Comme ça, on aura 3 sets, en fait, de couteaux et de haches. Et on pourra les utiliser, après les réparer à la fraiseuse, en fait, facilement. Ouais, non, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors, on est à 80. On va voir à combien ça monte. Donc c'est 20 à chaque fois. On a encore ça. Après on pourrait aller découper encore un peu plus de gibier. 120. On peut plus en rajouter. Très bien. Est-ce qu'on va faire 32 minutes? Okay. On va aller récupérer un peu de gibier. Faut que je regarde si elle est fatiguée ou pas. Elle est un peu fatiguée. Ah, maintenant il fait beau! Moi je voulais dessiner tout à l'heure, mais... Oh là 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 là. Il y a aussi la hitbox qui merde un peu, j'ai remarqué depuis les mises à jour, vous voyez. J'ai remarqué ça aussi, j'en ai pas parlé la dernière fois. Mais on a un problème de hitbox sur les animaux, surtout. J'ai remarqué c'était surtout les animaux et la viande qu'on laissait par terre. Genre de... quand je... Genre pendant la petite pause. Avant l'épisode d'avant. Pour récupérer la viande que je mettais par terre, c'était la croix et la bannière. C'était vraiment, vraiment, vraiment très chiant. Parce que j'arrivais jamais à la... Il n'y avait pas le prompteur. Donc je pense qu'on a un petit problème de ce côté-là. On a un tout petit problème... Alors si je mets ça, non ça augmente plus, on va être obligé de mettre 2 de plus, c'est embêtant ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? T'as eu peur de quelque chose ou tu t'es trop avancé sur moi? Non, tu t'es trop avancé. Ça on va les garder. On va peut-être garder le charbon maintenant, parce que je vais pas commencer à faire du... à forger maintenant. On va juste faire ça d'abord. Ah, très bien. Parce que le charbon donne du temps aussi, hein, en plus. Donc à la limite, je préfère l'utiliser pour le moment, le temps, pour la cuisson. Et après, une fois qu'on sera prêt pour... forger, on fera... On mettra le dernier charbon. Vous voyez ce que je veux dire? Faut un peu jouer du temps, en fait. Voilà, on est au max. Très très bon. On est extrêmement bon. Très bien. Enfin, quoi qu'on peut garder ça. On va faire ça. Très bien.
On va mettre de l'eau. Est-ce que toi, t'es... l'autre, il est revenu ou pas? J'entends pas, je vois pas. Non. On va aller reprendre un steak. Je vais d'abord regarder là s'il n'y a pas des choses. Je pense qu'on avait déjà regardé. Ah non. Donc, peut-être des charbons qui traînent. On sait jamais. Après de ce côté-là, je sais pas si... Ah là-bas, il y a une antenne cassée. C'est possible qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Attendez, on va peut-être faire ça aussi. Vu qu'il fait encore jour. Ça vaut peut-être le coup d'aller là-bas. Pas maintenant, maintenant, mais la prochaine fois. On verra, on verra, on verra. Minutes. Oula. Ça avait l'air de venir de là. Ouais, on a tué les cerfs, donc du coup ils commencent à venir les loups. Bizarre. Je vais aller récupérer les champignons, puis après on arrêtera. Parce que je voudrais bien aussi savoir où il est passé le loup. Enfin, où il est. Non, ça c'est le cadavre. Y'a rien, y'a rien. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ça aurait été con hein, qu'ils nous foncent dessus pendant qu'on découpe le cerf. Bon ben voilà, on a sauvé. Vous voyez qu'on peut toujours, quand on connaît un peu, faut pas paniquer, rien. Faut vite réfléchir, voilà. Faut vite trouver une solution en fait dans le jeu, si vous êtes en intro. Parce que là, on a balancé tout plein de bois, ça aurait été chiant de, bah, d'avoir fait tout ça pour rien. Puis après on s'est rappelé qu'il y avait bien sûr la mine là pour la grotte pour aller à la crique lugubre et hop on a trouvé ce qu'il fallait et voilà on peut forger, il n'y a pas de problème. Faut juste rester calme, toujours faire attention, bien réfléchir. Bien. Et on a encore 9h, c'est très bien. Donc on va dormir au moins 6h, nous, parce qu'on est tranquille, honnêtement, niveau temps. On a encore du bois, on a encore un charbon à mettre, donc le charbon il va nous mettre quelques heures, on a encore ça à mettre. Puis après, j'ai encore un peu de bois, donc on est tranquille. Puis après, on n'a même pas récupéré tout le bois qu'il y a là-bas, je pense. Donc honnêtement, on est tranquille. Donc on va dormir 6 heures. Et la prochaine fois, donc on commencera notre forge. Donc je pense qu'on va quand même faire un couteau et une hachette en plus. Et puis après, on fera tout en tête de flèche. Et hop, ce sera tranquille. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était un peu stressant. Ça aurait été bête d'avoir tout perdu, d'avoir fait tout ça pour rien. Mais on a rattrapé la chose. Ça se passe bien. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine, j'avais dit 6h. Voilà. Ciao ciao.